des cris à l'unisson pour faire écho de leurs revendications. Les agents de France Travail Mayotte, portés par l'intersyndicale, comptent bien se faire entendre. Ce que nous revendiquons aujourd'hui, c'est des conditions de travail dignes pour les agents. Quand je parle de conditions de travail, c'est vraiment un effectif proportionnel à la charge de travail. La moitié de l'effectif en agence, ce sont des CDD qui font tourner l'agence. Nous réclamons plus de CDI et moins de turnover au sein de France Travail Mayotte. Des revendications qui sont vraies au sein des demandeurs d'emploi. J'ai lu leurs revendications et ils ont totalement raison. C'est pour ça qu'on les a accompagnés jusqu'ici. À chaque fois qu'on vient ici, les agents sont en grève. On les soutient aussi parce qu'on a besoin d'eux dans nos recherches d'emploi. On a besoin de payer nos factures d'eau, d'électricité. Si les manifestants ont pu être reçus par la direction de France Travail, les négociations, elles, restent au point mort. Le directeur régional a pris l'avion ce matin pour aller à un séminaire. On ne peut pas négocier avec des personnes qui n'ont pas le pouvoir de décision. Des requêtes entendues et acceptées par la direction de France Travail Mayotte. On les a invités à revenir, à nous communiquer une date, probablement la semaine prochaine, afin qu'ils rencontrent, comme ils le demandent, le DR physiquement. En attendant la concrétisation de ces échanges, les agents comptent continuer le mouvement avec des débrayages jusqu'à la fin de la semaine. Ils entameront également un début de grève illimitée dès ce mardi 25 juin.